Salut à tous. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Hombre Espagnol. Espana. On commence tout juste à se remettre de toute notre route. C'était assez dur, mais rien comparé à des gens là qu'on a vu derrière. Ce matin, c'est vrai qu'on s'est réveillé, on a entendu crier. Et il y a des clandestins qui se sont fait arrêter. Ils sont arrivés dans un bateau. Ils sont au moins une quinzaine. On voit le bateau là juste derrière moi. Ouais, voilà. Je ne veux pas vous les montrer parce que ça me rend plus triste qu'autre chose en fait. Ça sert à rien de montrer des images comme ça. Il y a même une femme avec son petit bébé. Et ben ils se sont fait arrêter directement en arrivant. Ils ont dû être suivis depuis le départ, donc je sais pas d'où ils arrivent. Et on va commencer à bouger tout doucement, peut-être dans 1 ou 2 jours, et il faut que je répare absolument. J'ai une fuite de gasoil, donc on va réparer ça, parce que perdre un petit peu de gasoil, c'est pas top. Même si on n'en perd pas beaucoup, ça va. On a eu un retour de consommation, on sera aux alentours des 24-25 litres, donc c'est plutôt encourageant, et tout ça avec une fuite de gasoil. Oh, bah qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai voulu changer mon colis de gasoil. Oh, j'ai pris une douche au gasoil. Voilà le souci. Il y avait une fuite ici, donc j'ai coupé, j'ai mis le tuyau en l'air et sans faire gaffe il a glissé dans la bouche, dans les yeux. Dégueulasse. Super, tes fringues toutes propres, toutes neuves. Bah, ça devait pas arriver, tu vois, ça m'a pris 4 minutes et je me suis tout pris dans la bouche. Pas très beau. Oh, je vais sentir bon ce soir, chérie, dans le lit. Donc t'as réussi à réparer là? Ouais, ça y est, c'est réparé. Et c'est quoi qui fuyait à faire le... C'était ce raccord au milieu, ça fuyait parce que c'est pas les bonnes olives qui à l'intérieur. Et là, si je le dévisse, vous verrez que l'olive, elle a pincé le tuyau et elle l'a coupé. C'est pour ça que ça fuit comme l'autre. Parce qu'en fait, le gars, il me l'avait préparé à l'atelier, mais il a pas mis les... Enfin, il a essayé de les refaire, mais c'était pas les bonnes olives qu'il y avait dedans. Et t'avais tout ce qu'il fallait pour réparer. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tuyau. J'avais acheté du tuyau comme ça. Et j'avais anticipé, si jamais il y avait une panne, j'avais acheté plein de diamètres de tuyaux différents. Et en fait, je l'ai venu emboîter tout simplement des 2 côtés pour le réunir avec 2 colliers. Vraiment tout simple, méthode entre guillemets à l'ancienne. Et on n'aura plus de fuite de gasoil, ça y est, c'est fini, tout est réglé. Bon, bah plus qu'à allumer le chauffe-eau pour... Oh là là, ton maillot, il est trempé. Allez, on démonte le marchepied à Philippe et puis une bonne douche. Voilà, aussitôt fini la réparation de gasoil, tu vas déjà chez le voisin, hein, ça te dérange pas? Je vais rien demander, hein? Il est en train de me casser, bah attends, hein? Attends, t'es prêt à filmer, regarde, c'est mon marchepied, mon nouveau marchepied. Arrête, ils sont 10 kilos. Il est super le nouveau marchepied. Arrête, je l'ai prothèse. Ouais, t'as abîmé tout ton pantalon. Ah, bravo. Oh! Mais non! Attends, mais c'était ma vidéo, je voulais le mettre dans ma vidéo. Plus ça ramasse merde comme ça. Julien, clé de 8, rapide. Regarde-le. Ah non, mais comme tous mes outils étaient sortis, on a dit allez hop, on démontait le marchepied à Philippe. Avec sa tache de gasoil sur le polo. Ah, j'ai fait une douche de gasoil. Il s'est pris plein de gasoil sur le polo. Ah, c'est pour ça que tu sens le gasoil? Ouais. Ça sent? Bah oui. Attends, attends, j'ai un truc. Arrête, arrête. Arrête. Non mais ça brûle pas le gasoil, c'est clair. En plus, il n'y a pas de gaz. Tu veux faire... Attends, tu veux mourir. Tu veux faire mourir. Tu veux faire mourir mon mari ou quoi là? Fais attention à toi. Je sais plus comment on dit, mais le moment d'explosion... Allez, rétro-satanas, brûle! Brûle! Le moment de fusion du gasoil est plus proche que celui de... est moins important que celui de l'essence. Mais je savais quoi, qu'il fallait... Le gasoil, enfin, t'explosais pas. Mais papa, il sent le gasoil. Rentre ton ventre. Mais c'est papa, même s'il sentait le mauvais, eh ben, c'est quand même papa. T'as vu, elle va te mettre des claques. Arrête, Julia, il va nous faire des crêpes. Tu veux une crêpe ou pas? Une seule vis de 10. Ah, t'as tiré la langue, t'auras pas de crêpes. Tout le monde aura des crêpes sauf toi. C'est pas grave, je t'en ferai, mon amour. Ouais, mais ce sera pas pareil, ce sera pas les mêmes crêpes. Bah, ça te dérange pas de passer devant ma vidéo, en fait? C'est mon sujet, moi. Non, je crois pas, non. Au revoir Robert. Au revoir Robert. 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 Ça serait bien de ranger. Ouais, faut que je parce que là, le temps, il s'assombrit. Regardez là-bas. Tu crois qu'on pourrait se prendre de l'eau par ici? Bien, je me demande pas. Oh, c'est magnifique. C'est trop beau. Je m'en lasse pas en fait. C'est trop beau. Juste, il y a une odeur de gasoil ici. Il y a vraiment une odeur de gasoil. Vous n'avez pas cette odeur, mais là ça pue quand même. Mais au moins, les gens ils diront: ah, t'as mis du gasoil par terre. Non. Ah non. Tout est ici. Ouais, c'est malin. Bon, là, il faut que je vous montre. On est en train d'apprendre à Philippe que les crêpes sucrées, quand on a des enfants, ça se fait aux alentours de 16h, 16h30. Et ça fait déjà une semaine qu'il nous bassine avec ses crêpes et on n'a toujours pas vu la couleur. Ben, je savais pas qu'en fait c'était des goûters, tout ça. Enfin, moi, je sais pas comment ça fonctionne les goûters, donc j'apprends au fur et à mesure. J'apprends à avoir des enfants. J'apprends les avantages et les inconvénients. Hier à 20h, il dit « Allez, on mange des crêpes !» Non mais là, c'est plus l'heure de goûter, Philippe, là c'est pas possible, on va pas pouvoir faire de crêpes maintenant. C'est l'heure de dîner là. Pourtant j'essaye, hein. j'essaye d'apprendre. Donc là, aujourd'hui, à 16h30, réglez vos montres, il y aura crêpes. T'es sûr? Promis. Avec du beurre de Guérande ou de Noirmoutier? Alors ça, c'est le grand problème, c'est le gros problème. Ah, je savais qu'on allait la teaser. Ça y est. Ça, c'est le gros problème. On est allé dans un magasin et tout, une alimentation. Alors déjà, le beurre, ils ne savent pas trop ce que c'est que des trucs margarine en pot de plastique dégueulasse. Là où j'ai un peu peur, je suis parti de France, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir et a priori, il ne me reste que ça. Et je ne sais pas si on peut en commander par kilo de tonne, mais je suis un peu angoissé parce qu'il ne me reste que ça de sel de Noirmoutier. Placement de produit. Tu sais que c'est pas une ou deux crêpes hein, par enfant, c'est 4 ou 5. Ouais, ça va aller? T'as intérêt à t'y mettre vers 14h, je pense. Et faire au moins 2 litres. Ouais, 2 litres de lait. Bah c'est ça quand t'as des enfants, donc, surtout 4. Il y a toi, qu'un litre de lait. Je pense que non, arrête tes conneries, bah non, tu coupes avec de l'eau, c'est pas grave. Je pense que en fait t'as... Qu'est-ce que j'ai pas dit là? Je pense qu'avec ta plaquette, elle va y passer en fait. J'ai qu'un litre de lait. Ah non, mais un litre c'est pas assez. C'est un litre de lait? Ouais. Bah on a 2 litres de lait. Non mais un litre de lait, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec un litre de lait? Bien sûr qu'on achète par des dizaines. Ah oui, reviens avec ta caméra. Alors j'ai compris un truc aussi, c'est que les enfants savent. Mais ça bouffe grave, c'est des gouffres, c'est des gouffres à bouffe. Non, franchement, j'ai acheté une petite tablette de chocolat et en fait, on était avec Charlotte et Jérémy dans notre petit coin après le repas et tout. Je dis, ah, je vais vous amener du chocolat parce que je savais que les enfants, ils allaient se ruer dessus et tout. Et en fait, Charlotte a eu le malheur d'oublier 3 bouts de chocolat. Et s'est fait tout bouffer en 2 temps 3 mouvements. Faut rien laisser traîner. Les enfants, c'est pire que les animaux. Tu laisses traîner un truc, ça le bouffe, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe, ça n'arrête pas de bouffer. Ça ne prévient pas, on nous dit comme ça. Ouais, c'est une espèce d'aspirateur automatique, tu sais. Tu laisses traîner des trucs à bouffer et tout. Il n'y a plus rien au bout de 3 minutes, quoi. Les paquets de chips, tu leur laisses un paquet de chips dans les mains en 2 minutes 30, il n'y a plus rien. Ils sont comme ça. Surtout à 4. Ouais, c'est exactement ça. Bizarre ces maisons abandonnées, hein? Quand on regarde ce que c'est, par contre, il y a 2 cheminées à l'intérieur dans un petit espace comme ça. Je sais pas trop ce que c'est. Oh, je sens que Philippe, il a envie de racheter une maison, hein? Oh no way, jamais. Ah, ça te fait rêver, arrête. Ah, non. Une petite maison pleine de tags au bord de la mer, non? Voilà, donc ici on est à Pulpi et là on a fait un petit tour sur la plage et les bandits vont nous dire à quoi servaient ces petits trous. Laissez-nous un petit commentaire parce que pour le coup on sait pas et je sais que vous allez nous dire à quoi servaient ces petits trous creusés dans la roche. Est-ce que c'était fait pour les pêcheurs? Est-ce que c'était juste des stockages? Est-ce que c'était des habitations? Que vous allez voir, c'est tout petit quand même. Hein. Enfin, c'est tout petit, non c'est pas si petit que ça. Hein. Voilà, à quoi ça servait? Il y en a qui trouvent le moyen d'aller chier là-dedans quand même. Enfin, je sais pas, c'est pas trop intelligent, non? Tu penses que ça pouvait servir à quoi, toi, Philippe? Je sais pas. Les bandits vont nous dire aux commentaires. Qu'est-ce que vous avez vu, les enfants? Contente qu'on soit parti, Lucie? Ouais, trop contente. Pourquoi? Bah parce qu'on a pu se baigner, or qu'au terrain on n'aurait pas pu faire ça. Et aussi le décor change, on peut se balader partout. Il n'y a pas de ronces, donc tu peux pas prendre les ronces dans la tête et tout. Et tu peux mettre les pieds dans le sable et tout, c'est trop bien. Moi je trouve quand même que ça fait une drôle de sensation, il n'y a personne. Je trouve que c'est triste hein, quand même. En plus, j'avoue, aujourd'hui, bon, c'est un peu couvert, il ne fait pas très beau. Et il n'y a personne. Ça fait un peu glauque quand même. Hein. Mais bon, on s'y fait et puis on se balade. Ouais, franchement, je suis hyper content d'être partie en Espagne. Franchement, c'est hyper agréable. En plus, depuis le temps qu'on avait envie de voyager, quoi. Il y avait le camion qui restait au terrain. Et puis là, maintenant, on a bougé enfin. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas grand monde à part dans les villes. Il n'y a personne, quoi. On a pu aller se baigner, le sable y est doux. C'est trop bien, quoi. Toi, t'es content d'être ici? Oui, et aussi, comme Lucie l'a dit, on voulait nous brigner. Et aussi, je m'ai mis au pied nus dans le sable. Pourquoi t'aimes bien l'Espagne? Parce que j'adore avec l'eau, les vagues. Je vais trop me baigner à temps. Mais là, c'est trop tard parce que le trop des grosses vagues, des énormes vagues. Et toi, t'es content d'être ici? Pourquoi? On aime bien le sable. Les châteaux de sable? Oui. Tu aimes bien le sable? Oui. Dans l'eau? Château de sable. D'accord. Et hier, t'as fait quoi dans l'eau? Non. Tu t'es pas baignée hier? Mais si! Ah. Avant. Avant. On était chercher les croissants hier avec la boulangère? Oui. Ils étaient bons? Oui. Ouais. Et là, fini. Ah bah ouais, c'est fini là. T'as fini de parler? Oui. Ah, ok. On rend le micro à papa? Merci. Merci Lucas. Là-bas. Les pains au chocolat, ils sont énormes. Ils sont énormes, ça fait comme en France les maxi pains au chocolat, vous savez. Ils sont pas forcément bons. Non, mais ils sont bons, ouais. Et les croissants, ils mettent du beurre et ils rajoutent du sucre en plus. Ouais. Vous croquez dedans. Gras. Ouais, c'est gras, mais c'est bon. C'est super bon. Donc là, on a acheté en station, on a acheté plein de cochonneries pour la route et on a dû payer 1,20 € je crois le pain au chocolat. Faut dire qu'on fait que de manger des cochonneries. Bah, en fait, il faut dire que quand on prend la route, on essaye de manger plein de cochonneries. C'est pas bien, mais bon, ça passe la route. Du coup, là, juste pour dire qu'on a repris la route, on est parti de Pulpi et on a repris la route pour aller dans le désert de Tabernas. On a fait les pleins d'eau. On a fait plein d'eau, on a vidé les toilettes, on a vidé, parce qu'il y avait une petite heure de camping-car pour faire le plein de tout ça. On a trouvé, Jérôme, il a fait tout un petit parcours. Pour ne pas prendre la route pour aller jusqu'à Tabernas. C'est une application. Oui, c'est une application, mais tout un circuit par des pistes. Pour aller à Tabernas. Ouais, c'est ce que j'ai dit, pour aller à Tabernas par les pistes, mais pas par la route. En espérant que Michel il puisse nous suivre. Là, ça va être plus chaud, bah, sinon lui il prendra la route et on se rejoindra là-bas. Tant pis, c'est pas grave. Hein. On va pas se priver quand même. Ça sera dans la prochaine vidéo. Exactement. Eh oui. Là, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est pour ça. Là, on termine là-dessus pour vous dire qu'on est sur la route et on se retrouve à Tabernas dans la prochaine vidéo. Voilà. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour les petits endroits troglodytes, là, pourquoi ça a été creusé. Voilà, c'est ça. Et n'oubliez pas de, je sais pas, on va faire un truc titiller, gratouiller les algorithmes. Pour pas éviter... On va pas faire comme Philippe, on va dire chatouiller. Même s'il nous a donné l'autorisation, algorithme, on peut le dire parce que c'est YouTube. Voilà, c'est ça. Il y a des algorithmes. Il faut qu'on trouve un truc, les bandits. Il faut que ce soit notre truc à nous. On pourra faire une petite phrase pour dire de blablabla et les algorithmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez. En commentaire aussi si vous avez des idées là-dessus. Si vous avez des idées, mettez-les en commentaire pour un peu dire chatouiller les algorithmes. Sans copier. Voilà, sans chatouiller. sentir chatouiller. Ouais, sentir chatouiller. On vous fait plein de gros bisous. Et puis à la prochaine vidéo pour le désert de Tabernas. On vous embrasse. Ciao, bye bye. Bye bye les amis. Hasta luego, amigos.